that you're so charming. Don't you think that you could use someone to charm? I will sit back, I will laugh, I will laugh again. Oh, and maybe you'd like someone to greet you at the door after. Bonjour tout le monde, et voilà, je vais essayer de faire ce petit vidéo en français aussi. Je m'excuse pour mon accent. Et voilà, donc un petit vidéo fait pour Color Conspiracy. Et j'ai vraiment la grande honneur de travailler avec la nouvelle collection et elle est juste sublime. Voilà, donc je vais vite vous montrer les produits que j'ai rassemblés et que je vais utiliser sur ma page. Donc j'ai ici quelques... des punches, comment on dit encore, des perforatrices, voilà, pas facile. Et j'ai aussi utilisé des Mr. Hueys. Donc ici j'ai la couleur Taxi, et ici c'est un des nouveaux sprays, le Blizzard. Okay, c'est la première fois que je vais l'utiliser, et je vais l'utiliser avec un masque, et c'est celui-ci, c'est avec les petites étoiles. Voilà. Donc après j'ai un peu du masking tape. Okay. Ici c'est un jaune. Donc ce masking tape est vraiment la couleur un peu plus vive que le jaune de la collection, mais je pense que ça devrait aller. Alors donc ici sont des produits, je vais peut-être pas tout utiliser. Je travaille comme ça, je prends un peu plus pour être sûre de ne pas devoir me lever. Et voilà, je travaille comme ça. Donc ici j'ai aussi quelques petits... donc ce sont des wood veneers, des feathers, des petites plumes en bois. Donc très chouette, on peut les utiliser nature, mais on peut aussi utiliser des sprays dessus, des Glimmer Mist, des Mr. Hueys, les sprays d'October Afternoon. On peut aussi, moi j'aime encore bien utiliser les gelatos, alors les gel, comment est-ce qu'on va le dire ça en français, les gelatos. Donc c'est une sorte de pastel qui se dissout dans l'eau. Voilà. Alors ici j'ai fait quelques découpes avec le cameo, et donc j'ai fait ces deux découpes ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de prendre un fond foncé. Voilà, regardez, voilà. Donc et j'ai choisi ces découpes-ci parce que ça ressemblait très fort à ici un des die cuts avec ce design-ci. Donc voilà, celui-là. Okay. Donc j'en ai quelques-unes comme ceci, voilà, je vais les mettre de côté. J'ai un petit papillon, je mettrai toutes les références des découpes aussi, donc il n'y a pas de souci. Voici, ça c'est un petit découpe que j'ai fait moi-même, un petit cadre Polaroid, et j'ai rajouté le mot fun à l'intérieur. Donc j'ai fait une grosse bêtise, j'ai pas sauvegardé le fichier, mais je vais essayer de le refaire, et si j'y arrive, je mettrai aussi le fichier pour faire la découpe si vous avez une machine Silhouette. Voilà, j'ai quelques petits napperons, si je m'abuse, ça s'appelle comme ça. Voilà encore quelques petites branches avec des feuilles. Et ici j'ai quelques embellissements, ça c'était encore des restes d'une planche de stickers de Amy Tangerine. Voilà un petit brad ici, ça vient de Echo Park. Voilà, encore un grand buttons, un flare. Et maintenant on arrive à la collection, et donc voici ça, c'est la planche avec les die cuts. Franchement elles sont magnifiques, j'adore. Alors ici ça c'est vraiment... superbe, ce sont des petits appareils photo. Je voulais dire des caméras, mais non, ce sont des appareils photo. Alors j'ai de nouveau du vellum ou du papier calque ici. Donc voici, c'est la collection papier. Ça c'est le papier 3, donc c'est un papier uni gris.
d'un côté, mais quand même le gris, il y a un petit design dedans qui est vraiment très chouette, donc c'est pas juste uniforme. De l'autre côté, il y a ce jaune avec des cercles. Je vais utiliser ceci comme base. Donc puis ça c'est le papier 4 et moi je vais utiliser de nouveau le gris. Donc ma page va tourner autour des tons de gris avec quelques touches de couleur et la couleur sera jaune. Donc voici le gris avec un motif chevron, comme on dit en anglais. Alors ici c'est un papier, c'est le papier 5. Alors ici de nouveau avec des petits triangles. Elle est vraiment magnifique. De l'autre côté, un papier bleu. Avec des, c'est un motif avec des étoiles. Et voici, je pense que ça doit être mon papier préféré. Je ne sais pas pourquoi, le motif est vraiment sublime, je l'adore. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est le papier numéro 1. Et de l'autre côté, ça, c'est aussi un papier qui me plaît beaucoup, ce côté-là, en tout cas. C'est un... Comment, bon, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est un sunburst, donc c'est rayon de soleil. Et puis en bas, il y a une petite tâche et le document of my life. Donc, je vais créer ma petite page. Et le vidéo a été fait pour Color Conspiracy. Et je vais vous parler un tout petit peu de ma façon de travailler pour faire une superposition de petites couches, ce qu'on appelle en anglais layering. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et. À très bientôt. Long day I'm here for you if you let me. I will be the one you say goodnight to. I will be the one you say goodnight to. Funny thing is I'm trying hard and it's unlike me to get so caught up things, but I won't quit. I won't quit till you smile at me. Oh, and I just cry if you don't stop to say hello. It hurts the longer this goes. I'd cry for you if you let me. I will be the one you say goodnight to.
feels when you gaze outwardly. I don't work for free. Please take care of me. This is a message from your heart, your most devoted body part, taking blood and making art. This is a message from your heart, pounding away into the dark. You could thank me for a start. This is a message from your heart. This is a message from your heart. Every time you sleep, bum, bum, bum. Every time. You say